Aux pages 49 et ensuite 50, je vais vous demander de lire sur la section 6, les polymères et les plastiques. C'est intéressant là, d'avoir quelques notions de base, d'être éveillé au moins à ces choses-là, quitte à les retrouver au besoin. J'attire particulièrement votre attention quand vous ferez votre lecture là, sur qu'est-ce qu'un thermo durcissable, puis qu'est-ce qu'un thermo plastique, donc comment réagissent ces plastiques-là là, à la chaleur. Donc page 49. Et page 50, lecture. Le tableau, ben, même chose. Là, on a qu'est-ce, les principaux thermodurcissables, donc les polyesters, les silicones, l'époxy, l'uréthane. Et de l'autre côté, les thermoplastiques, la cellulose, entre autres. Le vinyle est un thermoplastique. Donc, un peu moins de choses là, qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, thermoplastique versus thermodurcissable.